Coucou. Putain, la mise en scène est incroyable, hein. Alors là, le nouveau stand. C'était pas bon, apparemment. Oh, le nombre de déco. Oh, oh. Ah bah oui, four à pizza. Oh putain. C'est vraiment que des trucs qui vont pas me servir, mais je prends la déco. Je... Eh ben. Ah. Oh, les couverts sont coiffure, là, ça suffit. Hein. Par contre, elles sont belles. Oh, waouh. Oh là là, par contre les nouveaux meubles. Ouais. Oula, 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 oula. Oula, oula. Le 28 ? Dans deux semaines. Ah bah c'est ça, ils ont gardé le rythme de fin des kits d'objets. Alors, on va résumer ce qui se passe là. Donc je rappelle, pour ceux qui seraient pas à la page, ça c'est le format kit d'objets, qui est à 10€, qui rassemble généralement une vingtaine de fringues, une vingtaine de meubles et des nouvelles features de gameplay, ou alors soit des nouveaux objets de gameplay, soit un nouveau type de gameplay, soit une mise à jour de gameplay, on va dire. Et ça fait 2 ans et demi qu'on n'en a pas eu. Presque 3 ans, hein, à ce stade. Paranormal, c'était janvier, je crois, de 2021. Et c'est un format qui était, à la base, pas forcément le meilleur, mais qu'ils ont retravaillé lors des 3 derniers qu'on a eu, c'est-à-dire mini-maison, tricot et paranormal, qui étaient incroyablement bien foutus, qui étaient super bien développés. Et on en avait pour notre argent, pour le coup, hein. Je veux dire, en termes de quantité, prix, tout ça, c'était assez incroyable les derniers temps. Mais en gros, les kits d'objets et pas les kits, parce que là aussi, je rappelle qu'il y a un problème de traduction, c'est-à-dire qu'en anglais, les packs d'extensions, c'est bien traduit en pack d'extensions en français. Pack de jeux, c'est bien traduit en pack de jeux en français. À partir de la suite, par contre, c'est le bordel, ça va redevenir le bordel, du coup. Parce qu'en anglais, les kits d'objets, comme on les appelle nous, c'est des packs d'objets, en fait, à la base. Et le truc, c'est que maintenant, depuis qu'ils ont sorti les kits, nous, on est obligés de les appeler les mini-kits pour les différencier des kits d'objets qu'on avait traduits de base. Donc, les kits d'objets, qui sont ceux-là, c'est, comme je disais, format 10€, un peu de vêtements, un peu d'objets, un peu de gameplay. Et les premières années, quand on avait la bande-annonce d'un kit d'objets, le kit sortait une semaine après. Les derniers temps où on a eu des kits d'objets, ça sortait 2 semaines après. Et là, du coup, bah, on est de retour sur 2 semaines après, si je comprends bien. Donc, non seulement on a effectivement le gaufrier, mais on aurait du coup aussi le KitchenAid. C'est ouf. Le four à pizza. On a aussi le fait qu'on puisse faire des cupcakes au four et plus obligatoirement sur la machine à cupcakes, et ça, c'est incroyable. On a le nouveau stand de vente et on a évidemment tous les nouveaux objets. C'est-à-dire que là, derrière ma tête, c'est un nouveau bloc de couteau, par exemple. Les petites étagères là, qui sont là en angle, c'est nouveau. Le présentoir là pour le bouquin de recettes, c'est nouveau. Là, pareil, ça, c'est nouveau. Enfin, les meubles sont nouveaux. Et alors, de ce que j'ai vu, il y a des trucs incroyables dans le sens où il y a un frigo qui est emboîtable, là. L'évier. Oh, l'évier avec le petit bac, là, sur le côté, c'est sympa. Bon, globalement, la tronche, par contre, des meubles, j'aime pas trop. Ça fait très... cuisine jeu de base pour le coup, mais il y a des machins qui sortent du lot, genre là le nouveau four, l'évier il est sympa, et puis le frigo s'emboîte, hein, je crois, mais alors je sais plus où est-ce qu'on l'a vu, là, il a l'air beaucoup plus, il s'emboîte, non il est tout seul, mais je veux dire il a l'air beaucoup plus encastré que les autres frigos en tout cas. Il y a une étagère de plafond là aussi, pour la cuisine,
Et là, alors derrière ma tête, je sais pas si on va le voir mieux. Il y a l'air d'y avoir un truc encastré là aussi. Je sais pas, est-ce que c'est un four, est-ce que c'est un lave-vaisselle, je sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose d'encastré là aussi. Après, il n'y a pas 36 millions de nouveautés non plus, parce qu'encore une fois, ça reste un kit d'objets. Je m'étais fait la réflexion par rapport à la quantité. Parce que ceux qui râlent sur les mini-kits qui coûtent 5 euros et qui n'ont pas grand-chose dedans, j'étais allée comparer un petit peu le nombre d'objets dedans. C'est-à-dire que les mini-kits, c'est 5 euros, la moitié d'un kit d'objets. Et il me semble que c'est littéralement à peu près la moitié en quantité d'objets qu'il y a dans les kits d'objets, justement. Hors gameplay, effectivement, ce qui est en plus... qui justifie le prix, on va dire, et le format d'un kit d'objets, c'est le gameplay en plus. Mais il me semble qu'à l'époque où j'étais allé faire la comparaison, il y avait une vingtaine de vêtements, une vingtaine d'objets, plus le gameplay, évidemment. Mais ça correspond à la quantité de la moitié qu'il y a dans les mini-kits. Carrelage incroyable, effectivement, oui. On aura aussi, je sais pas si ça sera une mise à jour ou si c'est vraiment propre au kit, mais vu que c'est de l'interface, je pense que c'est mise à jour, il y aura aussi la réorganisation du menu de cuisine, justement. De ce qu'on avait vu dans leur Behind the Sims mardi. Voilà. Par contre, ouais, donc le 28, c'est le lendemain de mon anniversaire, c'est beau. Le truc en ça doit être le meuble colonne, et il y a le même de l'autre côté de l'écran. Ah, effectivement, oui. Ouais, mais tu vois, je sais pas, je me demande si vraiment c'est juste le meuble encastrable, enfin le... Ouais, non, si, t'as raison, ça doit être ça. On n'a pas parlé de tout ce qui est fringue. Ouh, j'avais pas vu le collier. Mais tout ce qui est fringue aussi, ça m'a l'air assez chouette. Les accessoires et les cheveux aussi ont l'air cool. Je suis contente qu'on ait un nouveau bloc de couteau, hein, parce que putain, depuis le début, on utilise toujours le même. Bon, après, moi, perso, les cupcakes et les gaufres, je m'en fous, parce que c'est le truc qui fait grossir les Sims et qui remplit pas le ventre. Donc c'est vraiment pas le genre de plat que je fais. Ça me fait ni chaud ni froid. Les pizzas, les pizzas non plus, ça remplit pas de fou, hein. Perso, je serais intéressée par voir à quoi va nous servir vraiment à quel point le kitchenette va nous servir. Mais les deux autres, c'est fun, mais perso, ça me servira pas. Non, franchement, les objets, j'aime beaucoup. Les fringues, j'attends de voir. Bon, eh ben, j'en reviens toujours pas qu'on ait le retour des kits, hein. Ça, c'est de la folie. Une nouvelle mort par loupage d'envoi de couteau. Bon,